Les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Du coup, juste, plus vite le concept. En gros, ben, je sais pas quoi faire. Du coup, j'ai dit, je fais une vidéo sur ce que je mangeais là ce soir. Mais attention, on va se péter le bide. Hein. Donc, premièrement, il faut des pâtes, n'importe quelle pâte, n'importe. Des papillotes, des cookies, n'importe. Et il vous faut, attendez, hein. Ça, voilà, bon, c'est là, ouais, je suis là, c'est ça, voilà, et il vous faut aussi un bol, et aussi, attendez, je reviens, pile, les amis, et oui, il faut des bits, ça ne soit pas non plus trop sec, donc, ce que je vais faire là, c'est de mettre, c'est que là, les amis, en fait, je vais mettre les pâtes à chauffer, et je vous rappelle quand c'est bon. Voilà les mecs, je sais si vous n'allez pas me voir la tête, mais on prend déjà la première étape. Attendez, hein, je prends ici. Bah non, on fait ça. Je suis con. Donc la première étape, c'est prendre le cheddar et de le mettre au fin. Voilà. Alors, attends, comment ça vient. Voilà, hop. Et vous mettez au fin. Voilà, pas plus que ça. Voilà. Et faites ça, c'est en sorte que tous les petits cheddar un peu. Une fois que les pâtes sont cuites, on va les mettre là-dedans et vous allez voir ce qu'on va faire. Une fois que vous avez fini, j'ai mangé là, pour goûter, partout. Bon, bref, maintenant vous allez prendre avec toujours, allez. C'est pas le truc, c'est bon, on enlève des trucs. Bon, bref, on va prendre mais vraiment un peu de pâte, partout. Vous allez me dessourer. Et vous allez mettre dans le bol. Ce que ça donne. Très important de mettre le cheddar bien avant. Je pense qu'il n'y en a que trop. Oh, je vais tomber partout de l'eau. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Attendez. Voilà. Je vais faire ça. Et après, vous allez reprendre un cheddar. Vous allez reprendre un cheddar et vous allez en mettre. Et vous allez mettre les pâtes. Vous allez en mettre. Vous allez mettre les pâtes. Hop, on remet la petite couche. Donc, comment ça s'appelle quand les pâtes sont prêtes? Tout est bon. Vous allez vous le prendre. On enlève ça. Hop, on referme. Et là, vous allez mettre sur 40. Et voilà, on se retrouve quand tout est prêt. Voilà les amis, ce que ça donne. Des pâtes au fromage ou à la carbo. Pas la carbo. Au cheddar, entre guillemets. Très important de mettre de l'huile. Hein. De l'huile d'olive. Parce que sinon, ça colle et j'ai déjà fait ça et c'était pas très bon. Maintenant, on va goûter. Alors. Trop bon. Allez, ils sont trop bons. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me demander des vidéos en commentaire. Ciao, bye bye.